Celui qui apprend que tu es béni, qui n'est pas content, commence à te méfier de lui. Tu le seras dans son comportement. Tu lui annonces une bonne nouvelle, elle est triste. Je vais voyager. Non, c'est parce que tu vas me manquer, sorcier. Sorcier, il manque. Sa bouche, sorcier. Tu vas lui dire non, c'est parce que tu vas me manquer, sorcier. Toi, tu es marié, elle est triste. Non, comme tu m'as dit, toi, tu es marié, là, vraiment, on ne va plus trop se voir comme ça, sorcier. Dès que tu annonces une nouvelle, tu cours, la personne pique une crise, tu vois, la personne est silencieuse, elle ne t'écoute pas. Oh, la réalité, c'est que David a tué Goliath, toi, tu as eu peur de lui. C'est une vérité. Ça fait quoi? De reconnaître que c'est le petit là, et c'est ça. Les sorciers ne reconnaissent pas les qualités des gens. Quand vous remarquez qu'il y a des gens, tu as beau faire, oh non, lui là, vous parlez de lui pourquoi? Hein? Vous parlez de lui, il est quoi? Vous ne savez rien de lui, moi je sais des choses. Ou quand, tu commences à apprécier une personne, et puis il y a une autre personne qui vient dire quelque chose de contraire, commence déjà à te dire, la personne là, elle n'est pas bonne. Il y a des petites choses comme ça. Le monsieur, il est bien. Il est quoi? Il est quoi? Il est bien. Il a fait quoi? Bon, ça c'est vrai. Mais toi, tu le connais pas. Moi, j'ai fini à lui. Hein? T'as fini à lui? Comment? Tu peux commencer à détruire la personne. Dis-toi, ce qu'il est en train de faire sur la personne, il te fera ça demain. C'est pour ça qu'il n'écoutait pas les gens qui viennent détruire les gens. Amen. Amen. David a tué Goliath. Il nous a débarrassé de l'ennemi d'Israël. C'est ce qui est vrai. C'est que Goliath a été tué par David. Amen. Amen. Il y a quoi, le combat? Fâché. Regardez. La jalousie. Vous savez, ici, il y avait la jalousie. Le premier élément ici, c'est la jalousie. Allons-y. Ça le fut très irrité et cela lui détruit. Il dit. On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1 000. Mm-hmm. Il ne lui manque plus que la royauté. Très bien. Ah, elle maintenant les portes de Julie Peigne. Elle change pas. Il n'y a pas une Hollandais. Il y a aussi Paris aussi. Oui, c'est Hollande. Son. Pas une France. Pas une... Hein? Il y a Côte d'Ivoire, il y a France aussi, non? Il y a Espagne aussi. Il y a Espagne. Hein? C'est Hollande son nom. Super, ça vient d'où? Non, ah, super, ça vient d'où? Que fait-il? Vous avez fini ça. Donc, il y a pain, il y a Hollande. Il y a chaque jour, il y a super, c'est ça? Et pour super. Et puis, tu vas être sa bouche, on est écureuil. Elle vient là, on est écureuil. Elle est fâchée. Elle me dit quoi? C'est ceux qui savent s'habiller. Une sorcière. Aïe. Non, c'est sa fille qui l'a envoyé à Abby. Ah bon? Et ta fille? Comment elle s'appelle? Ta fille? Elle va partir là-bas. C'est pour attacher, gâter le mariage de ta fille qui a envoyé Abby. La jalousie. La jalousie. Vous savez, je vous dis expliquer les formes de jalousie. Je vais vous expliquer la jalousie. Le premier élément que vous avez remarqué chez le sorcier, c'est la jalousie. Or, la jalousie haineuse, c'est ce que j'explique. La jalousie, puis il y a la haine dedans. Ce n'est pas jalousie où monsieur dit, madame, on t'avait trop de messages. Hein. Le monsieur est jaloux. C'est un sorcier. Non, il n'est pas sorcier, il te protège. Amen. Est-ce qu'on m'a saisi? On m'a saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a saisi? Amen. Pourquoi vous avez dit? Le prophète a dit, les sorciers, les jaloux sont les sorciers, donc tu es sorcier. Non. C'est une sorcellerie, c'est une jalousie qui protège. Or, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Ça ne veut pas dire Dieu est sorcier. Dieu nous protège parce qu'il est jaloux. Il ne veut pas nous partager avec quelqu'un. C'est ça le problème. Femme, on partage pas. Vous n'avez pas vu quelque chose. Femme, là, on peut partager le même pain ensemble, même flacali ensemble, même foutu ensemble, même. Femme. Si tu as réussi ce terrain-là, il y a mes amis Bouknabé, ils m'achètent. Non, et je suis mané des règles. Non, ma vie, c'est ici. Tu as touché les femmes, c'est ma chère.
ils vont aiguiser ça 7 fois. Ça devient petit comme la Ouisha. Quand il te prend, il en est ta tête. Amen. Donc il y a jalousie pour protéger Fab. Et puis il y a jalousie de sorcellerie. C'est ce qu'on appelle la jalousie haineuse. Elle est jalouse quand tu viens de. Tu es en train de briller. Donc elle garde. Comment faire pour te détruire? Pour ne plus que tu portes paille. C'est ça. Ou bien tu penses que tu coins. Pourquoi tu vas chez moi? Elle se qu'elle a cherché. Il y a des petits signes que Dieu montre. Vous voyez que la personne, du coup, quand vous saluez une personne qui était bien avec vous, et puis du coup, quand vous la saluez, elle ne vous répond plus bien, parce qu'elle a appris quelque chose bien de vous, c'est votre sorcier. Elle est en train de calculer comment faire pour te nuire. Or, quand il a appris ça, on dit, il cherchait, allons-y. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. D'un mauvais œil. À partir de ce jour et de la suite. De la suite, oui. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Oh, quand vous gardez, vous allez être jaloux. Et la jalousie haineuse, l'esprit de sorcellerie entre en vous. C'est comme ça que vous contactez la sorcellerie. C'est pour ça qu'il évite d'être jaloux. J'ai dit qu'ils sont jaloux. Pour rien, ils sont jaloux. Pour cela, ça veut dire quoi? Ils sont jaloux. Oh, dans la jalousie, quand vous commencez à être jaloux, il y a un esprit de sorcellerie qui est venu vous habiter. Ça, il n'y a rien à faire. Or, quand l'esprit est entré en lui, qui eut des transports au milieu de la maison, David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Amen. Saül leva sa lance. Saül leva sa lance. Disant en lui-même. Disant lui-même. Je frapperai David contre la paroi. Mm-hmm. Mais David se détourna de lui deux fois. Deux fois, oui. Saül craignait la présence de David. On dit Saül craignait la présence de David. Parce que l'Éternel était avec David. Amen. Regardez la chose, bien qu'il soit jaloux, qu'il jalousait David, mon Dieu, il craignait David. Amen. Amen. Toi, les sorciers ne craignent pas. Tu dis non, sorcier. On dit qu'il craignait David parce que l'Éternel était avec moi, avec lui. Or, quand Dieu est avec toi, les sorciers doivent te craindre. Ce n'est pas toi qui dois les craindre. Amen. Amen. Vous craignez les sorciers. Oh, yes. Réponds-moi le verset plus haut. Un peu. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David. Parce que l'Éternel était avec David. C'est pour cela que je vous conseille d'avoir l'Éternel avec vous. Amen. Dis amen. Ayez l'Éternel avec vous. Si Dieu est avec vous, on dit qui sera donc contre vous? Ils ne feront que s'aligner, c'est tout. C'est tout. C'est parce qu'ils ne voyaient pas la présence de Dieu. Donc, l'élément qui va les effrayer, c'est la présence de Dieu. Eux, ils ne voyaient pas ça en vous. Vous avez le cœur partagé. Vous partez chez les marabouts, vous partez consulter, vous partez. David, lui, ça ne lui disait rien. On lui craignait David parce que l'Éternel était avec lui. Or, quand tu as Dieu, tu as la protection. Amen. Allons-y. Il l'éloigna de sa personne. Écoutez, on dit, Saül a commencé à éloigner parce que David ne faisait plus son affaire. Vous comprenez? Quand vous avez Dieu, les sorciers vont commencer à avoir peur de vous. C'est eux qui vont vous fuir. Amen. Amen. C'est vous qui vous donnez la même maison sorcier, c'est vous qui fuyez. Non. Les sorciers, il fait cauchemar. Dieu n'est pas avec toi. Non, je suis désolé. C'est un sorcier qui doit faire cauchemar. Lui, il sort la chose. Monsieur, tonton, il y a quoi? Il fait chaud dans la maison. Mais c'est dans la même maison qu'il dormait avant. Depuis quand il est climatisé ici? Oh, c'est ta chaleur. Le Saint-Esprit a dit que le monsieur sort toute la nuit. C'est eux qui doivent avoir peur de nous. C'est pas nous d'avoir peur d'eux. Oh, yes. Amen. Amen. Vous avez un peu des sorciers. David, ça ne lui disait rien. Au contraire, c'est Saül qui avait le problème. Lui, il jalousait David. Il a commencé à dire, le monsieur, il a dit, c'est qu'il va devenir roi. Parce qu'il le regarde là. Parce qu'il le regarde. Tout le monde a commencé à l'aimer dans le royaume ici. Il sait que le trône là, c'est à lui. Mais comment on fait pour le détruire? Amen. Vous comprenez? Et ils vous voient, ils savent que c'est vous qui allez diriger la famille. Ils savent que c'est toi qui vas te marier. Tu auras le bonheur. Ils savent très bien que demain tu vas voyager. C'est toi qui envoies le bonheur. Ils savent bien. Donc la seule chose, c'est de te détruire. Amen. Amen. Donc la même chose, ce que tu dois faire, c'est d'avoir Dieu. David était serein, il avait Dieu à lui. Amen. Amen. Allons-y, poursuivre. David sortait et rentrait
On dit il sortait et rentrait, il n'était pas inquiété. Amen. Il sort, il rentre, il n'est pas. Oh, vous êtes inquiet, vous avez peur. Amen. Vous voulez aller rendre visite à un homme, vous avez peur. Seigneur, ton sang sur moi, sur ma tête, dans mes cheveux, dans ma bouche, dans mes oreilles, sur tout mon corps, le sang. Il n'était pas inquiété. Amen. Il bougeait, il rentrait, parce qu'il avait su quelque chose dans sa vie que Saül n'avait pas. Saül n'avait pas Dieu à lui, lui il avait Dieu. Amen. On dit amen. Amen. Il réussissait dans toutes ses entreprises. On dit il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel était avec lui. Dis amen. Amen. Quand il touche quelque chose, ça marche. Quand il touche quelque chose, ça marche. Parce que Dieu est avec lui. Pas de con avec son séchage, je vais chercher à manger. Les gens sont tellement subis, on dit poisson ton. Pourquoi c'est poisson ton? C'est comme un gaba. Son chien est épousé. Maman, le nom de ton papa c'est quoi? Il dit c'est Gabriel. Ah, Gabriel c'est mon camarade. La nuit il vient dire Gabriel, moisson vient de lui là-bas, va partager ça. Ça dit rien. Le jour tu salues un homme, il y a moi, tonton bonsoir, il dit rien. Tonton, ah c'est quoi? Ça, il dit toi-même là. Il sait que tes chougouya empoisonné. Mon odeur est fatigué. Petite maman, salut. Petit, papa, papa, papa. Ça dit ton odeur là. C'est tellement bien dans son. C'est un narive de te manger. Donc la seule chose que vous remarquez dans votre sorcier, c'est la jalousie. Quand vous commencez à vous habiller, quand vous commencez à donner, à faire de l'aide, quand vous remarquez que la personne est jalouse, c'est que vous. C'est la jalousie. C'est un élément très important dans la sorcellerie. Le sorcier est très jaloux. Amen. C'est pas cachot. Ou bien, là, là, sorcier, voici le cas des sorciers. Chacun a son cas. On vous a fait manger, on vous dit que c'est tout. C'est pas bon pour les gens. Le deuxième élément, c'est l'hypocrisie. J'explique l'hypocrisie en français. C'est-à-dire, on fait semblant d'être avec lui. Là, là, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Il va te dire non, toi. Je meurs avec toi. Ça c'est français ivoirien. Français ivoirien dit je meurs avec toi. Je meurs pour toi. Je meurs pour toi. Qui a pas là? Je te mets derrière. Ja, c'est lui qui creuse derrière toi. Il parle. Viens de toi. Ja et toi, il parle. C'est lui qui garde ton nom derrière. Tu n'es pas les gars ton nom. C'est des hypocrites. Ils font semblant d'être avec toi. Quand tu commences à avoir des difficultés, c'est loin de toi. Remarquez un peu. Tu allais commencer à avoir des problèmes. Hein? Ils ne sont pas prêts à t'aider. Même tes années 5 frères, ils ne sont pas prêts. Vous les connaissez, ils sont autour de vous. Ils sont prêts à s'éloigner. Ils sont hypocrites. C'est ça en français, l'hypocrisie. C'est faire semblant. Le semblant, l'hypocrisie. Ils sont les meilleurs. Or, quand vous allez venir, c'est eux qui vont se faire gentils. Tu veux manger quel plat? Elle quitte au bout là-bas, elle va te demander, ma fille, elle va danser pour ça. Oh, en réalité, elle n'est pas dans cela. Elle cherche quelque chose à faire, c'est de te détruire. Ils sont très hypocrites. Ils sont bien. On va bien saisir. Amen. Amen. Est-ce que tu reconnais quelqu'un au bout de toi? Dis amen. Amen. Ils sont très envieux. L'envie. C'est un moment qui veut l'avoir. Il va avoir ça. Il va avoir ça. Il va avoir ce... Finalement, tu vas avoir quoi? L'envie. Ils sont très envieux. Ils veulent tout avoir. Le portable, t'entends. Ils ne sont jamais satisfaits. Il a donné quelque chose. Il trouve que non, tu as. Oh, il trouve qu'il n'a rien fait. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Petit portable, petit. Petit portable, c'est que. Avec le petit portable, tu ne mets pas une bague. Sorcier. Ils sont très ingrats. Mais c'est l'ingratitude qui fait qu'ils te vendent, ils te mangent. Or, si se souvenaient de ce que tu as fait pour eux, là, ils n'auraient jamais été livrés. Mais ils sont ingrats. Comment comprenez-vous que quelqu'un qui vient consulter ta maison et dit la maison, tu veux manger? Tu le regardes en cabri, tu veux manger. Pourquoi j'ai envie de manger? On m'a dit d'envoyer manger. Ah, et si la personne t'a jamais aidé, si. Mais pourquoi aujourd'hui tu veux manger? C'est ça, les, ils sont très ingrats. Une personne que vous aidez, il ne reconnaît pas ça. Fuyez la personne. Moi, j'ai commis ça dans ma vie.
J'ai connu des gens à qui j'ai aidé. Mais j'ai un comportement gauche, mais loin. Quand je vois que tu es ingrat, moi, Crasso, je marche plus avec toi. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Ils sont très envieux. Ils sont très envieux. Il y a des petits éléments. Tu vas donner 10 francs, maman, tant, oncle. C'est pour ça que je ne fais jamais affaire, parents. Je suis désolé. Non. Je ne fais jamais. Parce que si tu fais affaire, parents, il va gâter ta chose. Il va prendre ça comme pour lui. Tu vas gâter. Pour prendre ça, pour faire affaire à quelqu'un qui ne te connaît pas, il va avoir peur. Ils aiment mentir, c'est les grands menteurs. Ils mentent pour des diables. C'est des menteurs. Le diable est le père du mensonge. Sorcier. Ils sont très forts. C'est pour ça que moi, je les écoute. Je peux l'écouter 5 fois et puis revenir la vie. Parce qu'eux n'ont pas amené un esprit de vérité. Ils n'ont pas amené un esprit de vérité. C'est l'esprit du mensonge qui est en eux. Il n'y a pas la vérité. Or, quand on a l'esprit de Dieu, on a l'esprit de vérité en nous. Or, ils ont un esprit malsain, mauvais esprit. Or, nous avons le Saint-Esprit qui est symbole de vérité. Amen. Amen. Est-ce qu'on dit amen? Amen. C'est des grands critiqueurs. Et ils sont spécialisés dedans. Par exemple, nous, on a trace aux yeux, là. Et ils sont spécialisés dans la critique. Mais il y a deux formes de critique. Non, on va tout. Madame, il ne faut pas réveiller l'enfant, ça, vous lui avouez ses intestins. Doucement. T'as compris, madame? Il ne faut pas réveiller les gens. Critique. Vous savez, les critiques, il y a deux formes de critique. Il y a des critiques où on approche la personne. Après, on lui fait des critiques. On dit, le comportement que tu as n'est pas bon. Ça, c'est critique positive. Il y a de la personne en pensée. Il y a une autre forme de critique. Où c'est dans le dos de la personne. Quand c'est dans le dos de la personne, c'est négatif. Parce que ça n'aide pas. C'est pas du mal. Or, si tu veux l'aider, comme tu vois des défauts en lui, il faut l'approcher. Or, quand quelqu'un fait ça dans ton dos, il amène les gens contre toi. C'est ce qu'ils ont fait à Joseph. Quand Joseph a parlé de son rêve, ils l'ont critiqué après ses paroles. Est-ce que vous avez bien compris la signification du rêve? Ils sont venus critiquer, vous dites, ça veut dire que le rêve dit que Joseph la céleste à la tête de la famille. C'est ça? Ok. Ils ont comploté quelque chose ensemble. Comment faire pour le vendre? Ils l'ont vendu. C'est comme des sorciers. Ils ont vendu, ils ont troqué ça. Amen. Amen. Ça, il y a des critiques, retirez-vous de ça. Moi, quand j'apprends quelque chose de quelqu'un, je suis obligé de te dire. Oui, que tu prends ça mal ou en bien, je suis obligé de m'approcher pour te dire ça. C'est comme ça ici. Critique. C'est des gens qui aiment beaucoup parler. Ils vont parler ici. Ils vont parler là-bas. Ils vont parler, ils ont la langue pendante. Ils parlent ici, ils parlent là-bas. On m'a bien saisi. Amen. Aussi, n'est pas loin de Jougou. N'est pas loin. Il est à côté, vous les cherchez au village. Tu le cherches au village, c'est lui qui est à côté là. Il a son comportement. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Il n'aime pas. Il a la haine. Vous savez ce qu'on appelle la haine? Amen. Hein? Quelqu'un qui n'aime pas pardonner. Il garde. Or, quand quelqu'un garde, c'est fini. Vous voyez ça dans 1 Jean 3, le verset 15. Quand quelqu'un garde, c'est fini. Quand quelqu'un garde, il va te rembourser 100 jours. Il va te rembourser 100 jours. Peu importe le temps. Il va te calculer. Il va te rembourser 5 jours. Jean 3, le verset 15. Est-ce qu'on suit un peu? C'est ça un peu ma force, hein? Parce que je les connais. Ce n'est pas forcément détecteur. Vous savez, il y a beaucoup. Demain, peut-être que j'ai abordé la forme de sorcellerie. Il y a des sorcelleries où on ne mange pas. Mais on détruit. C'est-à-dire, la personne fait un effort pour détruire. Dans son comportement, vous savez que la personne détruit. Quand elle est quelque part, vous savez que lui, là, il vient pour détruire. Il y a des gens comme ça. Quand ils sont dans un endroit, on sent que lui, il est venu pour gâter. Ils ont cet esprit-là. Et ils gâtent. Ils vont venir où on est, c'est bon, là. Lui, il vient, il trouve toujours défaut. Il y a quelque chose, tu vous êtes étonné. Et on l'a arrangé, il n'arrange pas, il garde.
La haine, allons-y. Quiconque est son frère. On dit quiconque est son frère. Est un meurtrier. Est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. 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 Vous savez, les gens confondent la méfiance et la rancune. Je vous explique. Je peux être avec lui là. Vous comprenez? On peut avoir peut-être des. C'est comme ça qu'on a des conflits. Il peut arriver, il y a des choses entre nous en tant qu'humains. On se pardonne. Hein? Et puis peut-être qu'il peut y avoir des choses après. Et puis je constate que le monsieur, il ne me fait pas avancer. C'est vrai qu'on se salue. Je n'ai pas gardé rancune, hein, mais je me méfie de lui. Je ne veux plus marcher à lui parce que je sais qu'il ne m'arrange pas. Ça, ce n'est pas la haine. Or, quelqu'un qui a la haine, il ne te salue pas. Et ce que tu apprends de ce qu'il dit de toi, là, c'est grave. Ah, c'est différent. Hein. Je me méfie parce que je sais que lui, là, lui et moi, on ne va plus jamais s'entendre. C'est vrai qu'on se dit bonjour, mais on ne marche pas ensemble. Ça ne veut pas dire garder des rancunes, non. Or, quand quelqu'un garde rancune, il ne se salue pas, il n'est même pas bonjour à tes enfants. Et puis, ce que tu attends de lui, c'est grave. C'est un sorcier. Amen. Amen. Est-ce qu'on va bien saisi? Amen. On peut reconnaître les sorciers. Or, quand quelqu'un a quelque chose contre toi, il cherche forcément à te nuire. Il cherche forcément à te détruire. On dit amen? Amen. Il cherche forcément à te détruire. Je parlais tout à l'heure, la personne est toujours à la recherche d'une information. Vous allez voir que toujours la personne va poser des questions, qui vont toujours revenir à la recherche d'une information. Chercher à savoir des choses. Chercher à savoir des choses sur ta maison, sur ta personne. Une curiosité bizarre. Bizarre. Tu ne vois pas la personne t'aider. Est-ce qu'il y a des curiosités où on dit, ah, est-ce que le sac de riz, est-ce qu'au moins il est là-bas? Non, ok, on envoie le sac de riz. Mais il veut tout savoir. Ce que tu fais dans ta chambre, avec ta femme. Ce que tu fais dans ta femme, il veut tout savoir. Méfiez-vous. Moi, là, je détecte quand quelqu'un cherche à avoir une information sur moi. Il passe à ma maison. Et tu ne peux plus rentrer chez moi, c'est fini. C'est pour ça que chez moi, il y a des gars-fous. Non, ce n'est pas qui veut bien chez moi, ça c'est normal. Parce que le travail qui est fait dérange. Frère, à cause de la sorcellerie, vous devez être très prudent. Ce n'est pas méchant. Pourquoi quand les Blancs ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge, ils ont eu un autre comportement? Les Blancs vivent seuls. Je ne vous demande pas, ce n'est pas la méchanceté. Or, nous les Africains, tu as vu dans l'immeuble, si le voisin n'a pas salué, c'est pas là. Le voisin fait malin. Il passe, il dit, il fait bonjour. Non, il s'en fout de toi. Tu n'as même ibine que lui. Oh, le voisin va vouloir. On t'appelle, monsieur voisin, vous êtes venu quel jour? Il va vouloir savoir quand tu es venu. Voisin, on est venu se présenter à nous, hein, à toi. On habite le même immeuble que toi. Quand tu n'as pas leur rendre visite, ils vont penser que tu fais malin. Ils vont s'intéresser à tout. Il a mangé quoi? Ah, le voisin aujourd'hui, l'année n'a pas mangé. Hein. On a vu les montagnes payer sa dîme. Amen. C'est ça qui nous détruit. On aime tellement s'occuper des gens. On aime trop s'occuper des gens. Il fait quoi là-bas en France? Il fait quoi là-bas? Son fils est là. C'est ça. Il fait quoi? Tu l'as à la maison? Il fait quoi? Moi, quand quelqu'un cherche à avoir des informations, je dis stop. 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 Parce que quand une personne, quand vous ouvrez trop une personne, parce que pour, c'est ta femme qui doit t'ouvrir. À ta famille. C'est elle qui voit dans ton intimité. Oui, ta femme. Amen. Amen. Ta femme. C'est pour ça que quand on ne fait plus confiance, c'est ça difficile qu'on avance. Combien? C'est difficile. Il ne faut pas que quelqu'un que vous ne maîtrisez pas vienne prendre le contrôle d'une maison. Cette personne devient une porte d'entrée. Et c'est par elle qu'on a toutes les informations sur la maison. Faites très attention. Même votre servant. Le jour où votre servante, la maison, elle en contact avec l'extérieur, chassez-la de votre maison. Chassez-la. Si vous voyez que votre servante, que je vois la maison, elle en contact avec les gens de l'extérieur, c'est-à-dire que vous êtes là à la maison, et puis elle donne l'information de votre maison à une personne extérieure, chassez la personne. Parce que la maison est un secret. C'est ce qu'on appelle le secret d'État. Il y a des secrets que l'État ne donne pas aux gens. C'est ce qu'on appelle le secret d'État. Et c'est partout. Amen. Amen. C'est pour ça que monsieur maintenant doit avoir des secrets. Une maison doit avoir des secrets.
Or, si quelque chose se passe à la maison, qu'on amène une information ailleurs, c'est pour ça que quand vous, faites, quand vous êtes dans votre maison, ça doit rester entre monsieur et madame. Les parents ne les mettez pas dedans. Si vous faites les trucs que vous donnez aux parents, c'est fini. C'est pour ça que ce sont les hommes intelligents, mûrs, qui se mettent ensemble. On dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. On se met ensemble parce qu'on est capable de régler nos conflits. Vous savez, je vous dis une chose. Dans matière de mariage, c'est deux caractères qui se prennent avec des éducations différentes. Moi, j'ai reçu mon éducation. Ozo a reçu pour elle à part. Ce n'est pas de la même famille. Donc, quand on se met ensemble, il va y avoir des conflits. Ça, c'est clair. Il va y avoir des frottements. Mais l'amour va toujours primer. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit prendre nos conflits, les exposer. Or, si un parent vient régler vos problèmes de conflit, il n'y a plus de secret de la maison. C'est là qu'ils vont tâter. Vous faites par là. Il t'a fait une affaire. Allons-y. Je vais régler le problème. Il gâte. Il règle pas, il gâte. Tu oses faire quoi? Tu as parlé mal à ma fille. Allons-y. Donc, mets-toi ton mari, ton cœur est chaud. Mais pourquoi dire des dessus? Kyrias a dit, tu l'aimes bien. Ne bouge pas. Quoi? Tu ne bouges pas. Plus le blé est gâté. Or, il va y avoir des conflits. Vous devez avoir la capacité de régler ça. Et si on dit que les gens sont mûrs. Il n'y a pas un couple où il n'y a pas de conflit sur la terre ici. Il n'y a pas. On appelle ça foyer. C'est-à-dire qu'il y a le feu toujours. Souvent, il y a le feu qui vient. C'est ça qu'on appelle ça foyer. Vous savez qu'on appelle foyer? Vous savez qu'on appelle ça foyer? Foyer, là, c'est le feu. Voilà, vous voyez là, c'est foyer. Hein? Si tu n'es pas désarmé, il faut aller faire mariage. Si tu marches à l'enfroqué dans ta bouche, il faut laisser. Il y a des gens qui ont poudrière. À coups d'eau dans leur bouche. Ils ont mis 24, l'enfroqué. Ça blesse. Amen. C'est pour ça qu'il faut avoir le secret. Or, c'est là que le diable passe pour détruire. C'est là que le diable passe pour détruire. Quand vous avez un problème, c'est ça qu'il a dit. Quand tu veux regarder une femme, pour la marier, pour la connaître. Ou bien? C'est pour le meilleur et pour les I. Qui a mangé dedans, c'est pour les I. Qui a volé dedans, c'est pour les pi. Quand tu nous dis la famille, c'est le meilleur et pi. Le jour de mariage sur Sarachine, c'est meilleur que pour les pi. Amen. Amen. C'est comme ça. Dieu a donné ce qu'on appelle un cerveau à l'homme. Or, le cerveau nous sert de réfléchir, la réflexion. Il nous permet de réfléchir. C'est pour cela que c'est pas qui veut. Quand on décide de vivre ensemble, c'est qu'on peut se supporter. Hein? C'est ça. Le jour où on dit, vous partez à la mairie, c'est pour dire, c'est où pouvez vous accepter. C'est comme ça. Or, personne ne doit venir régler vos problèmes, à part Dieu. À part Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sortir. Tout ce qui est de la maison reste maison. Si tu n'es pas capable de régler un problème entre toi et ta femme, et que tu envoies ça en famille, c'est fini. C'est fini. C'est pour ça que la famille ne doit pas intervenir dans le problème de couple. La famille ne doit pas intervenir. Parce que c'est des personnes mûres qui décident de se marier. Or, quand il y a un conflit dans une maison, or le diable a la capacité de créer ça. Je vous ai dit aujourd'hui, quand vous avez une servante, soyez rassurés qu'elle est avec cette maison. Si vous avez quelqu'un, un protégé dans la maison, soyez rassuré que le protégé est converti. Or, quand le protégé n'est pas converti, il ne voit pas de la même manière que vous, ça vous détruit. Parce que c'est les esprits que la personne envoie. C'est un feu étranger qu'il envoie dans la maison. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Il y a des petites choses comme ça que vous avez négligées, et puis le diable a commencé doucement à installer son empire. C'est subtil, hein? On ne voit pas, mais doucement, les choses commencent à s'installer. Ça s'installe. Et puis, quand on est étonné, les choses commencent à se dégager. Mais ça vient un jour. Il n'y a pas prêté attention. Doucement. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Je veux le cadeau demain d'aborder les différentes formes de sorcellerie. Amen. Amen. D'abord, le sorcier, vous allez remarquer qu'il est très jaloux. La jalousie. Mais la jalousie, il y a où il y a la haine dedans. La jalousie, où il y a la haine. On a la haine parce qu'on n'aime pas, on a vu le gars, il est en train de réussir dans sa vie, on veut le détruire. Ça, c'est une forme de sorcellerie. On peut reconnaître ça, c'est l'hypocrisie.
La personne fait semblant d'être avec toi, ce n'est pas toi. Elle va venir sourire. Moi, c'est pour cela que, excusez-moi, je me méfie beaucoup. Même aller manger chez les gens. Je me méfie beaucoup. Pas parce que je refuse, mais je me méfie. Parce que plusieurs fois, j'ai déjà été attentif d'empoisonnement. Je me méfie beaucoup. Je ne me lève pas comme ça pour aller manger chez les gens. Les Blancs, après avoir détruit la sorcellerie, ils ont eu un comportement. Moi qui me plais. Or, nous les Africains, c'est une culture, c'est bien, c'est beau. Mais c'est dans ça qu'on nous détruit. Oh, son papa est mort, vraiment. Elle fait pitié. Tu sais qui a tué son papa? Papa qui est mort, tu as crié. Il est mort, il est mort. Tu sais qui l'a tué? On a vu ça ici. Quand son papa est mort, on le fait pitié. Dès que le gars l'a envoyé à la maison, le gars commence à avoir des problèmes. Tout a commencé à se gâter. On a pitié, non, pitié là. Tout se gâte. Amen. Amen. Vous savez que moi, je me méfie beaucoup. Quand je cause avec toi, je suis sincère. Je dois savoir si tu as un esprit qui est bien ou pas. Moi, je suis à cause de la société, je suis très prudent. Je ne mange pas n'importe qui. Non, 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 non. Or, c'est le mal de certaines personnes. Vous riez tout le monde. Vous parlez avec tout le monde. Vous riez tout le monde. Moi, je ne ris pas avec tout le monde. On peut causer. Mais les choses sérieuses, tout le monde partage ça. Or, ça fait avancer les gens. Les Blancs, ils sont dans leur coin. Maman est dans son coin. Enfant est dans son coin. Chacun avance. Or, maman est là-bas. Elle veut savoir qui, ce que l'autre fait là-bas. Blanc, il s'en fout. Il ne s'occupe même pas de l'enfant. L'enfant a pris son âge, son indépendance, ça va. Or, notre maman, tu as 20, tu es marié, il veut contrôler ton foyer. C'est sorcellerie. Tu es dans le foyer, il en veut contrôler son foyer. Tu fais quoi aujourd'hui? Tu as voyagé? Tu n'as pas fait quoi? Or, tu as une vie à construire. Tu dois construire une vie. C'est fini. Tu l'as mis au monde, c'est fini. L'enfant a son indépendance. À partir de 18 ans, c'est fini. Pour une femme, c'est 18 ans. L'homme, c'est 21 ans. La loi Ivoire, c'est ça. À partir de 18 ans, c'est fini. Pour une femme, 21 ans. C'est parce qu'ici, c'est vrai, la pauvreté, on voit même une fille de 19 ans, on a l'impression qu'elle a 9 ans. Et tu dis, elle est à 19 ans, elle est 19 ans. On est 19 ans. Où elle est? Viens ici. La sorcellerie, c'est croissance de quoi? Cartilage, c'est ça, non? Qui peut me dire, je vois, je reviens, je me laissons. C'est croissance de quartier. Cartilage, non, le quoi? Homme, c'est ça, non? De croissance. C'est qui fait grandir les gens. Vous avez oublié les sons de science d'avant. Cartilage. C'est cartilage, non? Cartilage. Cartilage, non? Cartilage. T'as quel âge, Mani? Hein? Si tu dis à Blanc, si tu dis à un Blanc que c'est là 19 ans, il va te chiffrer. Selon d'être 11 ans, 12 ans. Des sorcières.